Justice soit faite pour qu'on sache qui tue nos enfants. Ils savent les balles qui tuent nos enfants là. Les balles sont là. S'ils veulent, s'ils sont de bonne foi, ils peuvent prendre les balles là pour démasquer ceux qui sont en train de tuer nos enfants. Mais on se rend compte, au contraire, ils sont là pour couvrir ces tueurs là, ces assassins là contre nos enfants. Donc on a plusieurs preuves. S'ils veulent, ils le peuvent. À partir du moment où ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent pas se mettre auprès de la population, Alpha Condé dit qu'il a pris le pouvoir, c'est pour les femmes et les jeunes. Je dis non, il a pris ce pouvoir pour nous massacrer. Nous, les femmes, on pleure aujourd'hui. Quand tu vois un enfant mourir, même de maladie, ça fait mal. À plus forte raison, quand on fait exploser la tête d'un enfant, d'un jeune, ça veut dire quoi?
C'est un truc qu'ils ont programmé entre eux. Ils veulent que la population de Guinée se retourne contre nous, les leaders de l'opposition. Ça ne marchera pas. C'est pour cela qu'ils ont choisi de tuer sur ce tronçon qu'ils appellent l'axe du mal. L'axe là n'est pas l'axe du mal. Au contraire, c'est l'axe de la démocratie. Que tu sors ou pas, on rentre chez toi, on détruit tout, on te tue. Les jeunes qu'on tue là, on ne les tue pas dans les marches. Au contraire, on les tue dans leur domicile, on les tue en train de traverser simplement. Donc on est là, on ira jusqu'au bout. Merci. Présentez-vous. Rappelez-nous votre nom. Moi je suis Diallo Nenoussou, président national des femmes du Parti. On ne reculera pas. On ira jusqu'au bout. Si ça prend un an, on va prendre un an dans la légalité. Ils nous ont montré qu'ils ne sont pas légaux. Nous on est légal. Je suis là sans fusil, sans couteau, sans bois. Je me battrai comme ça jusqu'à ce que justice soit faite. Ok, alors la marche est interdite. Est-ce qu'on vous a signifié pourquoi? La marche est interdite. Depuis le ministre Kera est là, jamais ils n'ont accepté une marche. Hein? Mais quel argument ils ont avancé pour vous dire voilà, qu'elle ne peut pas avoir lieu? Que présentement, les élèves sont en train de manifester, c'était pas bon, que nous aussi on sorte. Mais on doit sortir. Quand tu entends un élève, c'est parce qu'elle est issue d'une femme. On doit sortir. Nous sortirons. Il n'y a pas d'école. Nos enfants ne vont pas à l'école. Nous-mêmes, on n'a pas, on tue nos enfants sans justice. Il n'y a pas de route, il n'y a aucune infrastructure. Ces ministres-là, vous pensez que leurs enfants sont là? Aucun de ces ministres-là, aucun des ministres-là, leurs femmes ne sont pas là. Elles sont assises ailleurs là-bas, là, en train de manger des milliards. Et nous souffrons ici. Hein? Il n'y a aucune infrastructure, il n'y a pas de route, rien. Nous marcherons. Merci, madame. Merci bien. Nous avons le droit constitutionnel de l'article 18 qui nous aide à faire la lumière sur la terre. C'est pour ça que nous sommes là, 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 nous sommes là
Thank you.
à sa sécurité. Est-ce que réellement vous serez au ministère de la sécurité? Je dis avec la sécurité féminine. Est-ce que vous avez l'assurance que vous allez passer? Qu'est-ce que vous dénoncez aujourd'hui? Vous dénoncez quoi? Vous dénoncez quoi aux femmes? Qu'est-ce qui prouve la présence de ces pancartes dans vos mains? La présence de ces pancartes, c'est pour montrer les preuves victimes d'assassinats ciblés. C'est pour cela. Nous avons été bel et bien, victimes d'assassinats ciblés. Mais je vous dis, les assassinats, c'est les assassinats ciblés. Ciblés, je dis. Aujourd'hui, celui qui est là, l'histoire retiendra. À son temps, on tue des enfants de ce pays comme des poulets. Sans justice, on est fatigué de ça. Il faut qu'ils le comprennent. S'ils ne peuvent pas le voir, on va le lui faire voir. On va lui montrer. Parce que l'heure est grave. C'est un fléau qui est dans notre pays. Je vous prie, vous tous, presse, gendarmerie, tout le monde, mettez-vous avec nous. Allons dire la vérité de la sécurité. C'est ce que nous devons faire. Fatigué de ça. Jonnon idon do haale rombo joni sibe fala men wala ido hande circulation wala taado men yahay men yido e makko bo kambe on alato men inisio alato hare goddo mo ka cabinet makko do ton men jangay ko men windi ko mata kuru amendo e tawnde on do ando yottintina nay bo dun non kadi kasata leydi woli kam mu jawata ko men ronki kof men gatti tam men jonnabe war men fo propre enfant a fou qui était assassiné comme ça dans les rues. Comment ça allait vous plaire? Ça allait vous plaire? Comment ça allait être votre moral? Mais quand même, on est dans un pays de démocratie. On est fatigué. On est fatigué avec cette mauvaise gouvernance. Vous pouvez prendre vos armes là, nous tuer comme vous avez l'habitude de le faire avec nos enfants. Ça ne nous dira absolument rien. Rien actuellement. Tuez-nous. Nous préférons être tués aujourd'hui que de retourner sans faire la lecture de notre mémorandum devant le ministre ou devant un
on dormira ici aujourd'hui. Vous pourrez passer par un autre recours. On ne rentre pas, car le courant n'a. Il n'y a pas de justice, car le courant n'a. Qui est nous? Nous préférons être qui est nous, on ne va nulle part. On ne va pas. On ne bougera pas d'ici. Qui est nous? À qui tu es là? Non, on est là pour nous. On va pardonner aujourd'hui. C'est pour vous accompagner. C'est pour vous accompagner. 90 jeunes tués. 98 jeunes tués. Sans justice, s'il te plaît. Sans justice. 98 jeunes. Sans justice. On est dans quel pays? On est fatigué. Vous n'êtes pas là pour nous. Vous êtes là pour le professeur Antakonde. Nous sommes là. Non, non. Nous sommes là pour vous. Vous êtes là pour votre gouvernement. Non, nous sommes là pour vous. Si vous étiez là pour nous, vous nous aurez encadré. Nous partons poliment devant monsieur le ministre ou bien un de ses représentants, c'est-à-dire un membre de son cabinet. Nous faisons lecture de notre mémo, nous retournons chez nous. Nous ne sommes pas là pour jeter des cailloux. Nous ne savons même pas tirer à plus forte raison de tenir une arme. Mais pourquoi vous nous étouffez? Pour ne pas que la vérité soit dite, on n'en peut plus. Madame, votre nom? Votre nom? Madame Bakoura Rougier. Attends, je fais la photo. La première. La police nous a montré la différence. Et c'est des femmes policières, pas des hommes policiers. Les femmes policières sont venues nous montrer qu'elles n'ont pas laissé des enfants à la maison, qu'elles n'ont pas de poux, elles n'ont pas de mère. Elles sont venues pour faire la pagaille, pour jeter lacrymogène sur nous, pour nous inciter. Je précise, c'est la police. C'est la police. Et lorsque leurs collègues ont su que j'ai su, on l'a sorti des rangs. On l'a sorti des rangs. C'est une certaine couillaté de la police. Nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin. Nous avons voulu marcher aujourd'hui pour aller vers le ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour lui donner ce mémorandum où nous avons les photos des victimes pour l'interpeller face à ses responsabilités. Ce sont ces hommes, parce que c'est lui le ministre, qui sont en train de tuer nos enfants dans la ville. Vous êtes tous à Conakry. Vous savez qu'avant-hier seulement, il y a eu un mort et 15 blessés par balle, dont une femme enceinte. Nous pensons, nous les femmes, que l'heure est grave. L'heure est grave. Aujourd'hui, on a un fléau dans notre pays, au même titre que Ebola. Plus. Au même titre ou plus que Ebola. Figurez-vous, nous sommes à 100 morts si on
on compte ceux qui sont morts à Mandiana et à Kindia. À Conakry, ici, il y a 98 morts par balle. Par balle et par nos forces de l'ordre et de sécurité. Aujourd'hui, vous avez vu derrière moi les photos de quelques victimes. Il y a même des mères de famille. Une femme qui a laissé 5 gosses, dont un bébé. Elle ne demandait que de vivre et élever ses enfants. Nous avions voulu aujourd'hui aller rencontrer le ministre de la Sécurité pour le mettre face à ses responsabilités, pour lui dire, au lieu de s'asseoir devant la télévision, dire que ces hommes travaillent de façon professionnelle, il n'avait qu'à ouvrir ses yeux, voir les dégâts que ces hommes font dans les quartiers. Voir ce que ces hommes censés être professionnels font dans nos foyers. Ils versent les repas de nos mamans. Ils tuent nos mamans. Ils violent, ils volent. Trop, c'est trop. On aurait voulu l'avoir en face de nous pour lui demander s'il n'est pas un Guinéen, s'il n'a pas d'enfant, si lui n'est pas de ce pays-là. On voulait le lui dire en face. Mais malheureusement, il n'a pas eu le courage de nous recevoir. Quand un homme est courageux, il doit prendre ses responsabilités. Il ne doit pas reculer. Il nous a prouvé qu'il n'est pas courageux. Il devait avoir le courage de s'arrêter devant nous. Nous, les mamans des victimes, pour nous voir, on allait lui dire en face qu'il est en train d'assassiner nos enfants. On ne savait pas qu'on l'a mis à ce poste pour tuer nos enfants. Mais malheureusement, il n'est pas un homme courageux. Il n'est pas un homme d'État. Je suis désolé. C'est pas un homme d'État. Il n'est pas un homme courageux. Il devait nous attendre. Il ne devait pas nous barrer la route. Il nous a barré la route. Mais nous avons passé notre message. Il faut qu'il comprenne qu'on en a assez. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous disons à l'opinion nationale et internationale, ce n'est ni ethnique ni politique. Nous, les femmes de Guinée, nous n'allons plus nous asseoir. Nous n'allons plus nous asseoir jusqu'à ce que nous éradiquions ce fléau qui est dans notre pays. Nous profitons de ce micro pour saluer la radio Espace qui nous a adressé un message fort de sympathie et de solidarité. On aurait voulu que ces gendarmes mères qui sont là agissent de la même façon. On aurait voulu qu'elles comprennent qu'elles sont des mères. On aurait voulu qu'elles se rendent compte que si c'est un de leurs enfants qui était tué dans la rue, elles n'allaient pas se comporter comme ça. Mais il faut qu'elles comprennent que l'histoire est têtue. L'histoire retiendra. L'histoire retiendra le rôle que chacun est en train de jouer aujourd'hui. L'histoire retiendra. La communauté nationale et internationale est là. Tout le monde veut voir ce qui se passe à leur temps. Aujourd'hui, c'est eux qui sont là. Ils ont refusé de jouer leur rôle de patriotes. Ils ont refusé de jouer leur rôle de femmes. Mais l'histoire va les rattraper. On aurait voulu qu'elles nous comprennent. Comme elles, on est des mamans. Mais l'histoire est là. Nous rappelons seulement que nous n'allons plus nous arrêter. Nous n'allons plus nous arrêter jusqu'à ce que cette tuerie s'arrête dans notre pays. Jusqu'à ce que cette tuerie cesse. Et qu'on nous montre ce qu'ils sont en train de tuer. Quand M. Kera dit que c'est des bandits qui ont tué les enfants, je ne sais pas quelle intelligence il a. Que ce soit dans son bureau, sans enquête, savoir qui a tué. S'il était un homme fort, il devait mener les enquêtes, sortir toutes les preuves pour nous indiquer qui a tué les enfants. Mais nous n'allons pas nous asseoir. Nous allons continuer la lutte. Nous appelons toutes les femmes de Guinée, tout corps confondu, de se joindre à nous. La semaine prochaine, on va dérouler notre programme. On va continuer la lutte jusqu'à ce que tout ça s'arrête. Inch'Allah, nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Vive les femmes de Guinée. Vive les femmes de Guinée. Nous les femmes de Guinée. Nous continuons. Ils privent de tout ce qu'il faut comme bien-être. Ils finissent ça, ils sont sans emploi.
qui sort parce que les engagements du gouvernement n'ont pas été respectés là-bas, souhaitement. Et le ministre Keïra ose nous dire que ce sont les manifestants qui s'intitulent. On s'inscrit en faux parce que le monde est devenu une planète. Aujourd'hui, tout le monde voit ce qui se passe. Donc on en a marre. Il y a 99 morts. Là, rien que la semaine dernière, 5 à Conakry, 3 à Conakry, 1 à Kindia et 1 à Mandiana. Donc trop, c'est trop, Keïra. Votre nom? Votre nom? Amsouma Oussama Tudjarlo. Cameraman,
Aïe, voilà, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps.